Donc voilà, alors comme vous le savez, lorsque l'on décide de changer de méthode ou d'en étudier une autre, il est important bien sûr d'avoir en fait une vision de la collection, comment est constitué les tableaux des contenus, également quelle est la stratégie pédagogique, si c'est une méthode actionnelle, si ça prend en compte les évolutions que peut proposer le cadre européen. Donc c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui autour de la méthode Club Parachute. Et comme vous le savez, en fait, il est important aussi d'avoir un bon partenaire, pas forcément uniquement pour ce qui est de vendre les livres, puisqu'en fait, on est plutôt dans une philosophie de conseil et d'accompagnement. Donc la question naturelle qui se pose, donc pourquoi travailler avec Santillana Français? Tout simplement parce qu'en fait, on a une réflexion justement des retours terrain de vous en tant que professeur, toujours s'améliorer. Le travail d'édition dans le domaine du français langue étrangère est un secteur exigeant et on se doit d'être à l'écoute pour optimiser, améliorer et surtout être réactif, notamment avec Ma classe à la maison, qui a été développée lors du début de la crise sanitaire pour proposer différentes ressources. Et d'ailleurs, c'est une page où vous allez pouvoir retrouver les webinaires précédents et celui-ci dans peu de temps, je pense que d'ici demain ou après-demain. Et bien évidemment, nos partenaires que nous avons, donc Cavilab, pour tout ce qui est formation, notamment autour des MOOC. D'ailleurs, ils ont des formations sur la médiation, qui est un point intéressant qu'on va développer tout à l'heure. Et TV5 Monde, notre partenaire depuis plusieurs années, qui permet de renforcer notre offre éditoriale et pédagogique. J'espère que tout le monde va bien. Ceux qui nous rejoignent, nous commençons à peine, donc pas de souci. Donc là, nous allons découvrir les nouveautés qui sont donc la collection Club Parachute et son livret de culture andalouse, et avec donc une offre numérique qui est vraiment un point fort de Santillana Français pour l'ensemble de ses collections, étant de pouvoir proposer un numérique qui s'adapte en fonction des contextes et surtout avec un mot-clé qui est la simplicité d'utilisation et quelles que soient les facilités que l'on peut avoir ou pas en informatique. Et une nouveauté, on a développé une application de conjugaison gratuite autour de la méthode Club Parachute. Alors, les nouveautés, comme on a pu l'évoquer, donc on va le découvrir, hein, ainsi que le livret de culture andalouse. Les vidéothèques de TV5 Monde qui renforcent notre offre. Et comme vous savez, ce trimestre a été tronqué, donc il est temps de proposer exclusivement pour l'Andalousie en fait un passeport pour la rentrée Primero Grado. Donc l'idée étant de participer en fait à l'évaluation, au diagnostic de vos élèves. Donc, il y a différents tests qui sont proposés. Vous en avez 6 avec une auto-évaluation sur un portfolio. Et donc, sur la droite, vous avez mis en fait le portfolio. Je peux saluer, je peux utiliser les salutations. Donc, ça permet de faire un petit état des lieux du niveau de vos élèves. Et bien sûr, après, pour le secondo grado, c'est donc diagnostic et remise à niveau. Donc là, c'est un exemple. On va revoir le thème de la famille notamment et les articles indéfinis, le féminin, le pluriel. Alors, donc nous arrivons donc à cette fameuse collection. Vous avez pu voir que nous avons des moyens. On fait des animations incroyables. Donc encore merci pour ceux qui nous rejoignent. Donc on débute à peine cette formation. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout à l'heure, j'évoquais que Santillana a cette volonté d'être à l'écoute de vous, professeurs, et également d'être aussi à l'écoute de ce qui se passe, notamment par rapport au cadre européen de référence, notamment le volume complémentaire des nouveaux descripteurs. On ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas forcément le but, mais c'est la seule méthode actuellement qui s'inspire foncièrement des modifications du cadre européen de référence, principalement autour de la médiation. Donc on va découvrir ça pas à pas. Donc ne vous inquiétez pas, cette présentation vous sera par la suite transmise et vous pourrez aussi revisionner ce webinaire. Donc là, dans cette début de présentation, je vous ai mis le lien, parce que vous pourrez, pardon, découvrir l'offre numérique, la partie démonstration. Ça vous permettra d'avoir un panorama complet de l'offre, même si on va la découvrir dans quelques minutes.
Alors, les points forts de cette méthode, comme vous avez pu voir, hein, quatre niveaux, club parachute. Alors, parachute, pour certains, ça doit vous dire quelque chose. Effectivement, il y avait une collection qui s'appelait Parachute. Et là, donc là, c'est une nouvelle collection renforcée sur quatre niveaux avec un livret de culture andalouse, un accent mis sur des situations de communication et également donc, cette notion de projet collectif annuel et donc un travail sur la médiation. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement, mais très simple à appréhender, même pour ceux qui n'auraient pas eu fait de cela. Vous inquiétez pas, l'idée c'est aujourd'hui c'est de partager et que vous ayez une bonne vision de cette collection. Alors là aujourd'hui, j'ai décidé de commencer plutôt par le précis de culture andalouse, le livret tout simplement. Pour être dans la continuité de ce que j'ai pu évoquer autour de la médiation, c'est-à-dire que ce livret va permettre en fait de mettre vos élèves dans une situation dite de médiation. Alors il y a différents types de médiation. Là, on va parler de médiation culturelle. Donc l'idée, c'est que les élèves deviennent acteurs pour promouvoir notamment l'Andalousie. Donc on va prendre l'exemple d'un élève qui va rencontrer en fait un jeune homme, un jeune garçon, une jeune fille français, et cette personne va lui demander où se trouve la place principale, je sais pas, de Cadiz. Et donc là, votre élève va devenir médiateur culturel avec ses propres mots acquis en français. Il va transmettre une information et devenir médiateur puisqu'il va participer à promouvoir la culture de sa région. Et donc cette notion de médiation, on va la retrouver aussi dans vos classes. Je pense que vous faites déjà de la médiation, consciemment ou inconsciemment, et vous pouvez par exemple mettre en avant, par exemple, vous pouvez traiter un sujet autour du débat, même pour les niveaux débutants à deux. Donc l'idée étant de créer des situations et d'impliquer les élèves. Donc là, bon, c'est assez simple, hein. Donc on met vraiment l'accent sur c'est quoi l'Andalousie, les musées, comment dire, la géographie, pardon. Et l'idée étant de créer des situations, donc de promouvoir l'Andalousie au travers comment dire, de la promotion de l'Andalousie. Excusez-moi, je me suis un peu répété. L'idée étant de développer des compétences en fait langagières en français. Ni plus ni moins, l'objectif étant de promouvoir, mais aussi d'être sur l'ouverture d'esprit, de découvrir, d'apprendre de l'autre, même dans une classe. Mais ce qui est important, en fait, c'est surtout de faire voyager vos élèves, qu'ils puissent découvrir au-delà de l'apprentissage de la grammaire, de la conjugaison. L'idée, c'est de faire voyager l'acceptation de l'autre. Dans vos classes, je pense que vous avez des élèves qui viennent de différentes parties d'Andalousie, mais pas que. Donc c'est aussi la philosophie de ce livret. Alors, nous avons aussi un test de culture qui va s'articuler autour de 10 questions, notamment quel fleuve traverse l'Andalousie d'est en ouest. Donc c'est bien, c'est que moi je ne le savais pas, donc j'ai pu l'apprendre. Et puis sur la droite, vous avez en fait des illustrations sur comment présenter l'Andalousie à un correspondant francophone. Donc là, on est vraiment dans comment dire, dans la médiation. Alors, je vais parler un peu plus fort. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai la voix un petit peu fatiguée. Donc, excusez-moi si je n'ai pas parlé assez fort au plus tôt. Et donc, voilà, ce que je vous disais, c'est que ce livret culturel met vraiment l'accent autour de la médiation. Et voilà. Donc là, on va rentrer dans la découverte de notre collection Club Parachute. Donc, il y a des personnes clés qui vont accompagner vos élèves. Donc, l'idée étant d'être dans une orientation d'ouverture, d'accepter les différences. Donc, vous voyez les personnages présentés, Mélissa, Léon, Rose qui est en fauteuil roulant, Ludo, Marion. L'idée, c'est vraiment de pouvoir parler au nom de tous et d'être dans l'ouverture d'esprit, ce qui est un des éléments en fait soulignés dans le cadre européen, notamment dans le volume complémentaire. Il y aura aussi, on va pouvoir découvrir aussi le Claire qui a un blog
et puis les personnages clés, tant pour les élèves que vous en tant que professeur. Donc, Madame Réflexion, donc dès qu'on va avoir cette petite jeune femme, on sait qu'on va aborder la grammaire de manière ludique. Après, vous avez également Nico l'écolo. Donc là, ça va être, on va jouer sur la corde en fait écologie, qui prend encore plus son sens actuellement. Et puis Baptiste sur la partie expression orale. Donc là, on va rentrer dans le détail de la structure d'une unité. Donc sur les premiers niveaux de la collection, la structure est identique. Donc sur la gauche, j'ai marqué donc les objectifs communicatifs pardon, de l'unité. On peut aussi appeler ça en fait le pack d'apprentissage parce qu'on va utiliser le pronom tu pour impliquer en fait l'élève. Tu vas apprendre. Il y a aussi la partie de l'annonce de la tâche finale, des questions personnelles, différentes activités liées autour du vocabulaire et de la compréhension orale. Et bien évidemment, ce qui est important, c'est le va-et-vient entre le livre et le cahier. Alors, deux leçons, j'écoute et je parle pour travailler l'oral. Donc là, on a une double page avec différentes illustrations. Donc l'idée étant de créer, que ce soit des éléments déclencheurs, mais également avec des vidéos qui sont proposées et beaucoup d'audio. Donc l'idée étant toujours de travailler la production orale, d'aborder des sujets qui parlent en fait à vos élèves. C'est vraiment la philosophie de cette collection. Donc des virelangues, donc ça c'est une activité qui est très amusante. Hein. C'est un exercice très simple à mettre en place pour travailler la phonétique. Et en plus, c'est un moyen aussi de décomplexer les erreurs que peuvent faire naturellement les élèves. C'est important aussi d'accompagner les élèves à communiquer, à parler, et après ils peuvent aussi s'auto-corriger. C'est très important vraiment de décomplexer l'erreur. Moi, à mon niveau, je fais encore beaucoup d'erreurs en espagnol, donc on apprend à tout âge. Donc voilà. Donc ici, on est sur la partie en fait les symboles de la France. Comme je disais précédemment, on a beaucoup de vidéos qui sont proposées et donc là, en fait, on a les vidéos Je lis, je découvre avec notre partenaire TV5 Monde. Donc, ce sont des vidéos qui sont proposées aussi donc dans le kit numérique, mais également sur la page web Club Parachute que j'ai mis au début de la présentation. Et des activités en fait de phonigraphie, hein, je lis, je dis. Donc, des activités simples mais qui sont vraiment efficaces. Alors, la carte mentale, donc ça c'est un instrument en fait, pardon, pas un instrument, mais on dirait un outil très très pratique, tant pour vous en tant que professeur que pour les élèves. L'idée étant de faire le point de ce qui a pu être acquis durant l'unité. Et c'est vrai que visuellement c'est très facile parce qu'on va, tiens, il faut que je travaille un peu les sons et graphies, la notion d'expression. Dire la date. Donc c'est un vrai outil pour vous en tant que professeur et également pour les élèves. J'espère que vous allez bien depuis qu'on a commencé une petite vingtaine de minutes cette présentation. N'oubliez pas que toute question, vous pourrez le faire à la fin de cette présentation et on pourra échanger en direct. Alors, il y a trois étapes importantes dans la structure de cette méthode. C'est la notion d'activité ludique, parce que la notion de plaisir est vraiment importante et à tout âge. Donc là, je joue et je révise. Après, vous avez des activités qui vont vous permettre en fait de vérifier que tout a été bien compris par vos élèves. Et sur le cahier, vous avez donc un bilan qui est proposé, donc des révisions sur l'unité. Donc c'est vraiment trois étapes qui vous accompagnent en termes d'évaluation de vos élèves. Alors, donc les tâches finales, comme indiqué. Donc là, je vous ai mis deux exemples, là, Club Parachute. Le niveau 1 et Club Parachute le niveau 3. Donc vous avez donc toujours cette notion de préparation, réalisation, mise en commun. Et puis donc ça c'est ce qu'on va trouver. Vous aurez en fait deux tâches au choix qui seront présentées sur Club Parachute niveau 1. Et pour ce qui est des niveaux suivants, ça sera en fait une seule tâche.
Donc, comme vous le savez très bien, ce sont des activités avec des thématiques ludiques. L'idée, c'est toujours d'apprendre, de voyager, même en étant en classe présentielle ou virtuelle. Et donc, l'idée étant de vous proposer des ressources qui soient le plus sympathiques et intéressantes. Et notamment, toujours, on a cette fibre autour de l'écologie qui est très présente. Donc là, on est ce qu'il faut retenir en fait dans le livre, toujours dans cette notion de carte mentale. Donc sur la gauche, c'est en fait ce qu'on a pu voir précédemment, et sur la droite, c'est ce qu'on peut proposer à l'élève dans le cahier, où là, en fait, on aborde différentes thématiques, les nombres, les dates importantes, les jours de l'année, les mois de l'année, pardon. Et vous voyez sur la droite, on voit donc ce petit personnage qui indique qu'on va aborder des thèmes autour de la grammaire et de la conjugaison. Alors bien évidemment, on n'oublie pas la préparation DELF. Donc toutes les deux unités, vous avez une préparation DELF proposée. Donc comme vous le savez, hein, on travaille les quatre compétences. Et bien sûr, on propose aussi des stratégies, donc par exemple, pour mieux comprendre à l'oral. Si tu ne comprends pas, tu dis différentes solutions. Donc il y a toujours cette notion, en fait, pas simplement de proposer des exercices autour de la préparation DELF, mais aussi quelques stratégies. Et d'ailleurs, vous avez aussi sur le livre du professeur, que je vous inviterai en fait à consulter. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser en fonction du besoin. Par exemple, vous allez travailler la tâche finale. Tiens, je vais regarder le livre du professeur, qu'est-ce qu'il me préconise? De manière générale, comme je sais que votre temps est quand même précieux entre le temps de préparation des cours, les cours réalisés, et après les corrections, c'est intéressant de lire les 4-5 premières pages du guide du professeur. Ça vous permettra d'avoir une bonne philosophie de cette collection Club Parachute. Et c'est aussi une volonté de Santiana Français de proposer toujours des évolutions autour des livres des professeurs, parce que souvent c'était pas forcément très attractif, très ludique à consulter, et maintenant ça l'est. Voilà, donc toutes les deux unités, une évaluation des quatre compétences, une compétence clé, apprendre à apprendre. Et voilà, donc là on arrive en fait sur le projet annuel, collaboration, interaction, médiation. Donc là je vous laisse découvrir ce qui apparaît en fait à l'écran. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'à chaque niveau, le projet de fin d'année est d'emblée clairement proposé et se compose en fait en quatre grands moments. Donc un moment de découverte, notamment avec des vidéos authentiques de TV5 Monde, un moment de préparation et de réalisation qui est collective, et là la compétence de médiation trouve tout son sens, la partie présentation en groupe et un moment de co-évaluation. Donc là c'est vraiment inspiré de ce que propose le volume complémentaire du cadre européen autour de la médiation. Donc là, vous avez un projet qui est indiqué, notamment faire un vidéoclip et par la suite pour le cahier. La continuité du projet annuel proposé. Donc pour terminer, comme j'ai pu l'indiquer ici, en fait, l'idée c'est ça peut être travaillé de différentes manières, soit à la fin de chaque cours ou en partie à la fin de chaque trimestre. Là, c'est vraiment vous qui voyez en fonction du temps que vous avez avec vos élèves et comment vous voulez, vous en tant que professeur, articuler en fait ce travail de projet annuel. Ce qui est important, c'est que nous, on essaie de proposer des ressources différentes, stratégies pédagogiques innovantes, mais bien sûr, vous êtes mettre à bord et c'est vous qui allez articuler cette méthode en fonction aussi de votre mode d'enseignement et c'est pour ça qu'on souhaite que nos méthodes puissent comment dire, s'adapter à tout type d'enseignement. Ensuite, à la découverte. J'espère que vous allez toujours bien. De mon côté, ça va. J'ai pris un petit café colombien, parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais j'habite à Bogota, en Colombie, mais je connais bien l'Andalousie, que j'aimerais redécouvrir très prochainement, si cela est possible. Donc là, en fait, on est sur donc la partie dite découverte. Donc il y a trois actions qui ressortent. Donc la première impression, l'observation guidée et opinion autour de clips.
qu'on le retrouvera sur la page web de Club Parachute. Je mets l'accent sur les mots qui apparaissent, ça encore plus de sens actuellement, la notion de tolérance, de racisme, guerre, paix, optimisme, amour. Donc ce sont des mots utilisés pour travailler le débat, l'échange, l'ouverture. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que les élèves vont pouvoir regarder des clips et ça va permettre aussi de créer des débats et aussi toujours d'encourager en fait l'ouverture et la tolérance. Alors, on a évoqué en début de la présentation donc notre partenaire avec TV5 Monde. Donc, l'idée, c'est toujours de proposer des vidéos authentiques qui renforcent en fait notre stratégie pédagogique sur notre collection, notamment Club Parachute. Donc là, c'est expliqué très clairement en fait. Donc, vous avez la vidéothèque TV5 Monde, trois vidéos qui sont proposées par niveau. Donc, une vidéo pardon, par trimestre. Et puis, vous avez donc les vidéos projet, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui sont proposés dans le kit numérique et sur la page de Club Parachute. Donc vous inquiétez pas, on va découvrir cela tout à l'heure lorsqu'on va basculer sur la partie numérique. Donc vous voyez, vraiment un partenariat fort avec TV5 Monde qui renforce notre collection Club Parachute, qui pour rappel est sur quatre niveaux. Donc voilà, donc là justement, on va passer sur la partie numérique. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais remettre la vidéo quelques instants pour vous faire un petit coucou, pour vous montrer qu'on est bien en direct. J'espère que vous allez bien. Donc là, je vais aller chercher la partie numérique dans quelques instants. Je suis en train de la lancer. Voici. Voilà, donc là je vais partager l'écran sur la partie numérique. Donc je vais arrêter la caméra comme pour la présentation. Alors je vais mettre la partie numérique en plein écran. Donc ce qu'il faut savoir sur le kit numérique, c'est que ça fonctionne aussi bien sur Mac que sur PC, mais on abordera ça sur la partie un peu technique et surtout de l'offre, la triple offre que propose Santillana Français. Donc l'objectif de cette offre numérique, c'est de la rendre accessible et d'une utilisation la plus simple possible. Donc là, on arrive en fait, on va aller directement dans le projet, ça va être dans la continuité de la présentation. Donc voilà, donc là on est sur le projet. Donc on peut découvrir. Donc ce qui est intéressant, c'est que tout est sélectionnable. Vous voyez, j'ai juste à faire glisser ma souris en un clic et je peux voir en plein écran avec la ressource indiquée de TV5 Monde. Vous voyez, vous avez aussi les transcriptions. Très simple, on clique. Alors, je ne vais pas vous mettre la transcription complète, mais ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez la solution qui est proposée et donc la transcription également avec l'audio. Donc là, on a juste à fermer la fenêtre et on continue à naviguer dans la partie numérique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi basculer également du livre au cahier. Donc là, on va revenir sur le livre. On va prendre l'unité 2. Donc ici, ce que je disais tout à l'heure, le pack d'apprentissage. Donc dans cette unité, tu vas parler des goûts, tâche finale, découvrir les symboles de la France. Et ici, donc, les audios et transcriptions proposées. Et donc, en fait, on peut basculer après sur le cahier qui est en couleur. Oui, donc, c'est très, très ludique à utiliser. Et on va aussi donc découvrir les vidéos. Donc, là, c'est les symboles de la France. Donc, je vais mettre la petite vidéo.
Généralement, les vidéos durent à peu près moins d'une minute, une minute et demie. Et on peut la mettre en fonction avec ou sans sous-titres. Les symboles de la France. Alors attendez, j'ai fait une fausse manipulation. On va mettre celle-là, le canal du Midi, voilà. Le canal du Midi. Bienvenue à bord de ma péniche. Tu sais où est le canal du Midi? Au nord ou au sud de la France? Eh oui, au sud, bien sûr. Le canal du Midi relie Toulouse à la mer Méditerranée. Toulouse est surnommée la ville rose parce que c'est la couleur du matériau de construction traditionnel local, la brique de terre cuite. Mais Toulouse, c'est aussi un des centres de l'industrie aérospatiale européenne. Tu peux y visiter la cité de l'espace. Revenons au canal. L'eau du canal du Midi provient de différentes rivières du sud du Massif central. Pour naviguer de Toulouse à la mer Méditerranée, il faut passer de nombreuses écluses. Les écluses, ce sont des portes sur le canal qui permettent de changer de niveau d'eau. Bon voyage et à bientôt! Donc voilà en fait les vidéos qui sont proposées. Vous avez une vidéo par unité. Les cartes mentales, donc ça c'est aussi un élément pédagogique intéressant. Donc les solutions qui sont proposées. Donc bien sûr, ce sont des cartes mentales qui peuvent être imprimées si besoin est. Donc là, on va revenir à l'accueil. Vous avez aussi donc des chansons qui sont proposées. Donc vous avez des chansons spécialement créées pour la méthode, mais également des chansons traditionnelles. Donc Alouette, gentille Alouette. Donc je ne vais pas vous la diffuser. Je vais vous mettre plutôt une chanson, par exemple, on va dire Amour impossible. Donc ça dure 1 heure et demie, 1 heure et demie, pardon, 1 minute et demie, parce que sinon si ça dure 1 heure et demie, ça va être compliqué pour transmettre d'autres informations dans votre cours de français langue étrangère. J'adore le rock. Tu aimes l'opéra? Moi, j'adore le skate. Toi, tu détestes ça. Et tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. J'adore l'informatique. Toi, tu détestes ça. Voilà, donc c'est pour donner un exemple. Ce qui est intéressant, c'est que dès que la chanson débute, chaque parole est surlignée. Donc c'est intéressant de mettre l'accent sur cette activité avec vos élèves. Donc après, vous avez aussi le rythme des verbes qui est proposé, enfin différentes options. Et puis aussi, vous avez une banque de flashcards. Donc là, on choisit un thème, par exemple le temps et la planète, le climat. Donc on sélectionne en fait une photo, deux, on va prendre trois. Voici. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut imprimer. Et voilà, en fait, une activité est proposée avec un audio. L'automne, le printemps, du vent. Voilà un peu un tour d'horizon sur la partie numérique. Je vais juste vous montrer la partie liée, comment dire, aux actes de communication qui sont proposés. Là aussi, il y a juste à surligner, demander et dire l'heure, par exemple. Les cartes, les régions. Alors, en fait, vous trouvez toutes les ressources de manière très simple. Et si vraiment vous êtes perdu, vous avez juste à revenir sur l'accueil. Donc voilà ce que je pouvais montrer sur la partie
numérique. Donc là, je vais vous montrer également les vidéos proposées par TV5 Monde. Pardon. Donc, l'idée, c'est de mettre l'importance sur la sensibilité et l'interculturel proposée autour de ces vidéos. Donc, je vais partager de nouveau mon écran dans quelques instants. Souhaitant que tout va pour le mieux de votre côté, que vous êtes bien installé peut-être en terrasse, je ne sais pas. Donc voilà, je vais proposer donc le partage d'écran. Voici, donc là vous avez toutes les ressources pour le professeur. Donc là le kit numérique peut être téléchargé de façon que vous n'ayez pas besoin d'un accès à Internet dès que le programme est téléchargé. Les ressources également pour le numérique et donc là les vidéos projets, Vidéothèque TV5 Monde. Donc on va aller en visionner une. Alors, tant pis. J'ai oublié de mettre mes identifiants. Voilà, ceci est fait. Et donc par exemple, là sur l'unité, on va prendre la première, l'Eurovision en chanson. Donc ce qui est intéressant, c'est que la vidéo proposée propose aussi des activités complémentaires pour renforcer les points abordés. Donc là, je vais enlever ma vidéo quelques instants. Donc voilà, donc je mets le clip. Vous voyez sur le côté les activités qui sont proposées avec la transcription des paroles de la chanson. Donc voilà, je ne vous mets pas la vidéo entière, mais l'idée c'est que c'est un format qui permet aussi donc aux professeurs de sortir de livres, mais toujours des vidéos qui traitent des thèmes évoqués dans la collection Club Parachute. Et donc ça permet d'avoir une cohérence entre les thèmes du livre et des vidéos en s'appuyant sur les vidéos de TV5 Monde avec des activités qui sont proposées. Donc là, on va revenir sur la présentation. On va arriver dans le dernier quart d'heure qui nous reste avant les questions-réponses. Donc voilà, on arrive sur la diapositive liée aux vidéos TV5 Monde qu'on a pu découvrir. Le lit du professeur. Bon, je ne vais pas mettre plus l'accent sur ce que j'ai pu dire en amont, mais il est en couleur. Il a la même structure. Donc, vous savez que pour le livre, on a le pack d'apprentissage. Et là, en fait, on garde la même structure, c'est-à-dire tâche finale, ouverture, comment on va travailler telle ou telle activité. Donc, c'est vraiment à utiliser en fonction de vos besoins, de votre intérêt, de votre curiosité également. Donc, je vous invite vraiment à découvrir le livre du professeur avec des cartes mentales qui sont imprimables. Donc, comme je l'ai écrit ici, hein, donc le livre du professeur comprend donc la reproduction du cahier d'exercice avec les solutions incorporées. J'allais oublier, c'est vrai que nous avons aussi un carnet de bord, donc petit format, qui est donc proposé pour l'élève. Donc il va pouvoir mettre ses coordonnées, son collège, et donc ça sera en fait ce qu'on peut appeler une biographie langagière. Donc l'expression personnelle permettra en fait donc de remplir ce carnet de bord tout au long de l'année, donc de le personnaliser. Donc ça c'est encore un plus de la collection Club Parachute. Voilà, nous arrivons dans la dernière ligne droite, dans les 5 dernières minutes de la présentation. Donc on va articuler cette fin de présentation autour de l'offre numérique. J'ai remis le lien de ma classe à la maison. On l'a évoqué, Nora également l'a évoqué, que ce sont une page qui a été dédiée dès le début de la crise sanitaire avec différentes ressources proposées pour vous accompagner dans votre travail de professeur. Et vous pourrez aussi retrouver les webinaires et différentes ressources qui pourront vous accompagner dans votre travail au quotidien. Donc l'offre numérique, donc c'est une offre vraiment qui se démarque de ce qui se fait actuellement en Espagne. Donc là, j'ai fait un focus pour vous en tant que professeur. Donc kit numérique pour les professeurs, vous aurez donc l'ensemble du matériel, les audios, les vidéos, les activités interactives, solutions en fait donc hybrides, permettant de répondre
au contexte actuel de télétravail, mais aussi en présentiel, semi-présentiel, des applications, on va le voir par la suite. Donc c'est vraiment une offre très enrichie pour optimiser votre travail. Donc après, il y a la première offre pour l'élève. Donc l'acquisition du livre papier, pardon, lui permettra d'avoir un accès au livre numérique dit de base, donc via une licence sur la page web, celle que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Sera compris donc le livre, l'audio et les vidéos incrustées. Donc c'est consultable online. Et pour compléter cette offre, on a aussi Aula Virtuelle, l'offre mixte. Donc livre numérique est mis à la disposition de l'élève sur la plateforme, donc Santillana Aula Virtuelle. Donc là, ce sera à la demande du professeur. Et donc le délégué Santillana français transmettra donc cet accès directement à l'établissement. Donc, même caractéristique, si ce n'est que l'usage est aussi bien en ligne que offline. Et pour compléter cette offre, donc triple solution numérique de Santillana français, nous avons une offre alternative donc au livre papier. Ce que j'ai pu vous découvrir en fait, l'avantage du kit numérique, c'est qu'il y a un va-et-vient très facile entre le livre et le cahier, les vidéos, les flashcards, les chansons. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment très 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 performant et qui permet de dynamiser en fait l'enseignement du français. Donc comment il est constitué? Donc livre et cahier numérique, enrichi comme on a pu le découvrir, mais également avec un outil de suivi pour vous en tant que professeur, permettant en fait d'enregistrer les résultats de vos élèves. En sachant que si votre établissement opte pour cette offre-là, c'est compatible avec l'ensemble des plateformes. Donc on travaille avec différents établissements, donc il n'y a aucun souci, notamment Blink, Moodle. Et bon, pour la partie, pour ceux qui seraient intéressés sur le format qui est proposé, donc c'est un format dit HTML. Et voici donc notre nouveauté également, plein de nouveautés aujourd'hui, qui est donc l'application de conjugaison Santillana français. Donc activité toujours ludique, hein. L'idée c'est d'apprendre en s'amusant autour du cyclisme. Et donc on peut choisir différentes étapes, vitesses, pour pouvoir appréhender et travailler donc la notion autour de la conjugaison. Donc je vous ai mis les liens, donc ça fonctionne aussi bien sur Apple Store, sur Google Play, donc aussi bien sur tablette que sur téléphone mobile, et il est bien de le préciser, donc ce sont une application qui est gratuite, qui a été développée autour de la méthode Club Parachute. Donc ça, je pense que vos élèves y vont adorer. Voilà, donc prenez bien soin de vous, pas tout de suite. Pas si, mais on va faire les questions-réponses. Donc en tout cas, merci encore pour votre écoute. Et donc on va maintenant pouvoir échanger avec vous tous. Donc il y a Enora et Emmanuel aussi qui vont apporter un support en termes de questions-réponses sur cette présentation. Encore merci pour votre disponibilité. Vous voyez, tout le monde est resté, c'est très bien. C'est une continuité, donc je pense que c'est un travail vraiment collectif, parce que c'est toujours un exercice qui n'est jamais simple de présenter des méthodes à distance, mais on essaie de vraiment s'adapter et d'être à votre écoute. Et là, on est à votre écoute. Merci Stéphane. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous d'être restés, d'avoir participé à la présentation. C'était en effet très riche et très intéressant. Je vous invite maintenant à nous faire parvenir vos questions. Si vous voulez, je vais reprendre une question qui a été posée par Javier au début de la présentation, à savoir si le livret que présentait Stéphane était disponible pour Club Parachute et pour Topla. L'autre, je ne sais pas, j'ai entendu... vous m'entendez bien, oui. Je pense qu'il ne faisait pas référence au livret interculturel, mais au livret spécial Andalousie, je pense. Exact, oui. Et c'est en effet un livret qui sera disponible avec Club Parachute et avec Topla à la rentrée. Voilà. Très bien. Donc, il y a Soledad qui dit « Moi, j'adore ». C'est bien, ça commence bien.
Donc, n'hésitez pas, hein, si, comme il y a différentes questions qui se présentent, si on n'a pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à la réindiquer dans le chat. Alors, Maria Dolores, vous n'entendez pas. Je suis assez surprise parce que je crois que ce n'est pas le cas des autres participants. Dites-moi si je me trompe, je pense que tout le monde, tous les autres assistants entendaient correctement. De toute façon, ne vous inquiétez pas, en fait, le webinaire sera retransmis avec la présentation. Ben, c'est dommage s'il y a eu un petit problème technique, mais de toute façon, votre délégué Santillana français est à votre disposition et puis les ressources seront proposées en ligne très rapidement. Super, très bien. Merci. Merci Trini de confirmer que le son est bon pour les autres. Je suis vraiment désolée, Maria Dolores. Je rebondis sur une question à propos de Linux. Et Manuel, peux-tu répondre, s'il te plaît, en ce qui concerne la compatibilité avec Linux? Oui, bien sûr. Et le kit numérique qui contient le manuel numérique interactif que Stéphane nous a montré est compatible sous Linux à partir de la version Ubuntu 16. C'est une donnée peu technique, mais notre manuel numérique, notre kit numérique pour la classe, pour vous, professeurs, est compatible sur Windows. Et si vous avez des problèmes pour la version hors ligne, pour la version offline, vous aurez toujours un accès en ligne au kit numérique qui est complètement compatible, soit sur ordinateur, soit sur tablette, pour donner les cours. Par rapport à l'offre des élèves, et l'offre complémentaire via page web du livre numérique pour l'élève via licence, soit l'option aula virtuelle ou l'option payante, l'offre 100% numérique, le livre numérique multiplateforme, toutes nos ressources sont compatibles sous Linux. On connaît bien votre situation en Andalousie avec Guadalinux. Et on a travaillé pour avoir des produits compatibles. Merci Manuel. Donc Marie-Louce qui nous dit qu'elle trouve que c'est une méthode ambitieuse, très ambitieuse pour 2 heures par semaine. Mais en fait, ce qui est important, c'est que quelles que soient les méthodes proposées, l'idée c'est qu'elles soient souples. Donc vous pouvez vraiment adapter en fait si vous avez travaillé plutôt telle ou telle activité. Ce qui est important, c'est que ça se cale bien par rapport à la philosophie de votre école, même si, il y a 2 heures par semaine. Donc, c'est aussi une volonté de Santillana de français de proposer des méthodes qui soient souples et que vous n'êtes pas forcément travaillé toutes les activités. Il y a peut-être des activités que vous ne trouverez pas forcément pertinentes parce que vous avez d'autres ressources. L'idée, c'est de vous poser une offre large, souple et adaptable. Trini, de quelle ville vient Trini à adorer la méthode? Très bien. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions, si on n'a pas répondu. Sur l'évaluation, oui. Je crois que tu en as parlé, Stéphane. Exact. La section Delphes, je ne sais pas si tu veux... La partager ou... Oui, peut-être. Alors... Alors, le temps que je me retrouve, excusez-moi. Alors, sur l'évaluation, en fait, il y a Les corrections avec le fond vert. En attendant, peut-être, Manu, peux-tu répondre, parce que j'avoue que je n'ai pas la réponse par rapport au fond vert. Oui, on avait un commentaire de Maria Del Mar et aussi de Lola, je pense, par rapport aux réponses au fond vert. Et si vous pouvez nous envoyer un mail en nous détaillant ces petits problèmes, dis-nous. Je pense que vous parlez du manuel numérique interactif. Et on avait entendu une fois quelques problèmes, et c'était des problèmes de réglage du projecteur. Mais si vous nous envoyez un mail, on vous répondra avec le détail et on pourra avoir... voir différentes solutions. D'accord. Merci. Trini, c'était la question de Maria Del Mar et de Lola. S'il vous plaît, veuillez nous envoyer un mail
et on pourra vérifier le problème. D'accord. Donc moi, je vais repartager la partie numérique pour la partie donc liée au DELF, mais aussi en fait un autre support qui est proposé en ligne sur la page Santiana sur l'évaluation. Là, on va se focaliser sur la préparation DELF. Attendez, je vais mettre mon écran plus grand. Voici. Donc juste pour que vous puissiez identifier correctement. Donc vous voyez, à toutes les 2 unités, il y a une préparation pour le DELF. Donc on clique sur le DELF. Et donc on a les compétences qui sont proposées. On clique. Vous avez les transcriptions également. Bon, je les mets rapidement. Vous avez les situations. Donc l'idée étant de travailler les 4 compétences sur différents supports audio, documents. Donc là, on prend la situation 4. Situation 4. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Tony. Tony? Comme Tony Parker? Donc voilà, après vous avez la solution qui est proposée. Et donc lorsqu'on passe à la page suivante, vous avez donc la production orale, la production écrite, vous avez les points qui sont préconisés. Et puis ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est la partie stratégie, où là, pour mieux comprendre à l'oral, par exemple, observe les gestes et les mimiques de ton professeur, écoute les voix, les intonations, les bruits. Et donc ça, c'est intéressant, vous, en tant que professeur, parce que l'intonation est très importante, notamment dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Voici. Et un dernier exemple, si on prend à la fin de l'unité 4, donc vous avez d'autres mises en situation d'évaluation de compétences avec les autres stratégies. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Et puis également, peut-être pour la compléter, je n'avais pas pu prendre le temps de vous montrer également les fichiers d'évaluation. Donc, dans quelques instants, je vais vous partager cela également. Alors. J'en profite pour répondre peut-être en attendant le temps que tu cherches, Oui. Stéphane, à une question par rapport à la compatibilité avec Google Classroom, ou peut-être que je vais laisser Manuel répondre à ce sujet, la personne D'accord. la plus appropriée pour le faire. Il y a une question de Javier, pardon. Savoir s'il est possible Javier. d'intégrer à d'autres plateformes visuelles de travail telles que Google Classroom. Et de notre part, ce qu'on a bien vu, c'est que vous avez commencé, pas mal de professeurs, vous avez commencé à travailler avec Google Classroom, un espace qui vous permet de créer des classes avec une liste de vos élèves. Si vous choisissez une offre 100% numérique, c'est-à-dire le livre d'élèves numérique enrichi et ou le cahier d'exercices interactifs enrichis, il y a des plateformes comme Blink qui permet une connexion de deux comptes qui vous permet d'avoir les mêmes classes que vous avez créées chez Google Classroom et de les avoir sur Blink Learning. Si vous avez si vous faites des modifications de la liste des élèves sur Google Classroom, vous aurez les mêmes modifications faites de manière automatique sur Blink Learning. Et parce que c'est la plateforme éducative, l'endroit où vous pourrez voir les résultats des élèves du livre, des activités du livre, des activités du cahier. Si vous parlez par contre d'utiliser Google Classroom ou Google Meet pour donner un cours à distance, c'est-à-dire partager votre écran, vous pourrez toujours partager l'écran de votre kit numérique avec les manuels numériques interactifs que Stéphane nous a montré. Vous pourrez partager l'écran avec vos élèves. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais les classes que vous créez sur Google Classroom, ça dépend de la plateforme de votre choix ou si la plateforme a l'option d'intégrer Google Classroom, vous aurez les mêmes classes que vous avez créées sur Google Classroom sur la plateforme de votre choix. Merci, merci Manou. Je crois qu'effectivement, ça répondait à la question, également à la question de Blanca.
Alors, parlez Stéphane, par d'animal, contre, vas-y. et par contre, on ne t'entend pas. Je pense que tu es en train de nous dire quelque chose. Et oui, j'avais coupé le micro, donc ça marche moins bien. Heureusement que vous êtes là, hein. Donc, je voulais juste dire que j'allais partager juste quelques instants une ressource additionnelle proposée sur la page web de Club Parachute. Donc, toujours dans cette notion de d'évaluation. Donc là, entre-temps, je l'ai téléchargé. Donc, c'est un format PDF. Donc là, en fait, vous avez donc cette ressource qui est proposée. Donc l'idée, c'est de travailler l'évaluation sur différentes formes, donc l'évaluation autour de la langue, au niveau de la communication, et avec justement ce qui intéressait un de nos professeurs, la partie évaluation DELF. Donc vous voyez, il y a différentes ressources proposées. Donc à la page 31, je vais essayer de la chercher rapidement. Donc voilà, évaluation langue. Donc vous avez un support, et donc ça c'est bien, c'est que c'est téléchargeable et imprimable à souhait. Donc, vous voyez, donc la partie DELF est complétée par ce fichier évaluation. Voilà, c'était une ressource additionnelle qui a enrichi notre offre Club Parachute. Je récupérais une question d'Issa Maestre qui nous a posé auparavant, au début de cette partie de questions-réponses. Et Issa Maestre nous demandait si on avait du matériel d'attention à la diversité ou d'ampliation des renforcements. Et on dispose aussi de fiches de grammaire pour renforcer. Si vous en avez besoin, vous pourrez les demander à vos délégués. Et parce qu'on dispose des fiches de grammaire pour renforcer cette partie du contenu du livre, de la méthode Club Parachute. Alors, que veut dire le livre enrichi? En fait, c'est simplement que c'est une offre numérique qui est complète avec toutes les ressources qui est proposée, ce qui n'est pas forcément le cas. Si un élève achète en fait le livre papier, il aura un accès à la partie numérique, mais ça sera une partie numérique dite de base, si je ne me trompe pas, Manuel. Oui, c'est exactement ça. Avec l'achat du papier, les élèves auront une licence pour la page web des clubs Parachute où ils pourront trouver une copie du livre avec les audios et les vidéos. Et vous, comme en tant que prof, vous aurez aussi l'option de demander à vos délégués des licences pour l'aula virtuelle, pour le même livre, un livre numérique des bases. Une copie du livre papier avec les audios et les vidéos incrustées. Et les livres numériques enrichis, c'est notre offre 100% numérique. Ce sont des licences numériques à utiliser sur une plateforme éducative. Et c'est les livres numériques payantes. C'est l'option payante. C'est l'alternative à l'offre papier. Très bien, je ne sais pas si vous avez répondu, mais il y a une personne qui dit qu'il y avait un problème pour visionner directement les vidéos de TV5 de la méthode. Oui, a priori, alors vous avez un lien direct depuis la page web de la méthode, depuis la page de Club Parachute. Vous avez un lien direct vers la section dédiée à ces vidéos, à cette vidéothèque qu'on a créée en collaboration avec TV5 Monde. Elle s'appelle Promenade interculturelle. Donc vous pouvez soit y accéder en cliquant directement sur la page de Club Parachute, ou bien y accéder en entrant sur TV5 Monde et vous écrivez directement Promenade interculturelle et vous accédez aux vidéos, enfin les élèves accèdent aux vidéos, voilà, qu'ils peuvent, avec les exercices qu'ils peuvent faire eux-mêmes en autonomie. C'est vraiment très intéressant. Et moi, je voudrais juste remarquer que soit l'offre que vous choisissez pour vos élèves, soit l'offre papier ou soit l'offre 100% numérique, vous en tant que prof, vous aurez toujours votre kit numérique pour donner votre cours, et soit dans votre établissement scolaire, soit depuis chez vous en partageant votre écran avec Google Meet, Zoom. Et l'outil que vous venez d'utiliser ces dernières semaines. Et juste pour récupérer une dernière question,
Et Anna Lozano nous demandait aussi un livret renforcement. Comme j'ai répondu auparavant, on a aussi des fiches de renforcement des grammaires. Si vous en avez besoin, vos délégués pourront vous offrir ces fiches. Sont gentils les délégués, Santiana. Ils sont toujours très gentils. On nous demande les différences, les nouveautés par rapport à Parachute. Qui Donc, veut s'élancer? Stéphane, veux-tu répondre ou sinon je les vais différences commencer? entre, pardon, Parachute et Club Parachute et Club Parachute? Parachute. Bah, écoute, je connais plus Club Parachute que Parachute, donc D'accord. si tu peux m'aider. Alors, les différences se trouvent principalement, alors au niveau du numérique, au niveau des ressources que vous avez effectivement mentionnées, mais il faut aussi savoir que Club Parachute est avant tout une réponse aux nouveautés imposées par le cadre dans le volume complémentaire. D'accord? Donc, on a inclus les notions de médiation qui n'existaient pas ou qui n'étaient en tout cas pas mises en évidence dans Parachute. Donc, ça a été mis en évidence à travers le projet qui se trouve à la fin de l'unité, notamment. Et puis, il y a également des sections qui ont été aménagées pour mieux répondre aux nécessités aux nouvelles recommandations du volume complémentaire. L'interculturel est également traité de façon plus appuyée. Et puis, dans le numérique, on trouve également les autres réponses que le volume nous imposait. Voilà. C'est vrai que pour compléter ce que disait Enora, on a pu voir dans la présentation les tâches finales, les projets qui s'inspirent directement en fait des préconisations du cadre européen. Et je pense que Manuel va compléter sur la partie numérique, il y a aussi une Oui. différence. Oui, et aussi, pas seulement sur la partie numérique, Club Parachute est un projet renforcé et sur le livre, dans les livres, on trouve aussi ces doubles pages, je fais les points, une deuxième carte mentale et qui permet de visualiser d'une manière globale tous les contenus de l'unité pour faire un point avant la partie d'évaluation. Et on trouve donc deux cartes mentales, une carte mentale pour résumer le contenu de l'unité dans le livre de l'élève. Et dans les cahiers d'exercices, on trouve aussi la carte mentale à travailler par les élèves pour faire un résumé de lexique, un résumé des activités phonigraphiques. Donc, c'est un projet élargi. On trouve également la collection, la vidéothèque TV5 Monde, avec des activités interactives. Et en collaboration avec TV5, qui renforce cette notion de médiation et interculturalité qui font partie de notre projet à partir des recommandations du cadre européen des langues. Oui, tout à fait. L'idée était de partir d'un projet qui fonctionne. On sait que Parachute plaît, c'est une méthode qui fonctionne très très bien. Donc on a aménagé, on l'a amélioré en fonction de vos recommandations, de vos retours et également en fonction de ce que nous demande le cadre européen. Voilà. Oui, on a une question de Laure. Les cartes mentales étaient déjà sur le livre du prof. Et les cartes mentales que vous en aviez dans le livre du professeur, c'était les cartes mentales du cahier. Maintenant, le livre de l'élève a une nouvelle double page, une nouvelle carte mentale, c'est un résumé de contenu de l'unité. La carte mentale du cahier, c'est un outil, c'est un espace à travailler par l'élève. Et la carte mentale du livre, c'est un résumé de l'unité. Oui. Parfait, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de poser des questions aussi précises. Donc, ça prouve de l'intérêt que vous portez sur cette collection. Je ne sais pas si vous avez d'autres points à rajouter, Nora, Manuel. Je pense qu'on a fait le tour. Non, je pense qu'on a fait le tour. S'il y a encore des commentaires, de toute façon, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas également à contacter notre équipe commerciale en Andalousie qui se fera un plaisir de vous répondre. Et
les cartes mentales sur le cahier. À la fin du cahier. Je pense qu'ils sont... Oui, à la fin du cahier. D'accord. Si vous voulez, on termine. Je vous laisse donc l'adresse. Si vous voulez nous écrire à Santiana Français, sans la cédille, santianafrançais@santiana.com. D'accord ? Hop, je vous l'écris, Santiana Français, sans faute. Merci Trini, on essaie d'être sympa en fait, on nous force à être sympa en fait. Normalement, on n'est pas sympa, mais comme Enora est très dure avec nous, avec Manuel, on est obligé d'être sympa. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager du temps avec vous, tous les professeurs, parce qu'on a eu quand même plus de 65 professeurs connectés. Enora, Manuel, merci beaucoup. Merci à toi. Comme le précisait Enora, vous allez recevoir prochainement la présentation et également le webinaire enregistré. Tout à fait. Demain, on vous fera parvenir à tous un email avec cet enregistrement et la présentation de Stéphane également. Merci à toutes et à tous. À très, très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup pour les remerciements. Merci beaucoup. Ça fait très, très plaisir. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, Enora, Manuel. Merci, au revoir. À bientôt, ciao. Au revoir.